sont sympas les figurines Star Wars là. Wow. Le Batman aussi. Pardon? Je dis, ils sont sympas Le Batman, là, il est super joli. Combien ça coûte ça? Un Batman comme ça? Le Batman, j'en ai trois. Celui-là fait 90 euros. L'autre, 110, ça c'est les plus rares. D'accord. Et celui-là, là, il est à 80. Ok. Et il est plus récent, il est neuf. Ils sont sympas, là. Bonjour. 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 Ils sont toutes vides les boîtes hein? Oui. D'accord. Non mais c'est à fond comme ils arrivent avec Opi maintenant. Ouais, mais après le reflet on le voit vite quand même. Ouais. Et vraiment. Ouais, ils sont toutes brillantes. Ouais. Bonjour. Tu débrouilles ? Oui. €40 monsieur. Vous voulez faire ta camion ? Alors. 20, 10 et 2. 20 euros. C'est pour les femmes. C'est pour les femmes, ça. Vous vendez combien, là, les 12 et 4? Bonne question. 5 euros. D'accord. Quoi, ils sont bien là-bas? Donc. Combien ça, maman? 20 euros, monsieur. Ah, oui. Sur YouTube, non? Sur YouTube, c'est ça. Ça fait plaisir de mettre un visage. C'est ça, Ghostplayer. Oui, Ghostplayer. Voilà. Ouais. Bonne journée à vous, monsieur. Par contre, excusez-moi. Oui. C'est vrai que c'est fragile. Bonjour. Bonjour. Sympa. Et combien la pirogue de Asterix? C'est 80 kg. D'accord. Et 80 jamas. C'est 80 que tu les vends les... 80 en bas et 100 ici. D'accord. Ok. Mais ils sont en parfait état. Parce que souvent, il manque un truc. Ils ont copié pour faire un chameau. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Et on en a encore plus, il y a des... Vous lui vendez combien, monsieur, le jeu vidéo? 1 euro. Ils sont dedans, là, on vient de vérifier tout à l'heure. Okay. Que vous avez un jeu vidéo, c'est ce qu'il y a. Okay. Bonjour. Bonjour. Vous lui vendez combien des petites voitures comme ça? 7 euros. Il n'y a pas le prix ici? Non. Ah si, il y a le prix là, 7 euros. Oui, il n'y a que les publicitaires là-bas qui sont à 10. Il cherche la traction comme ça, mais avec le marquage FFI dessus. Ouf, il y a longtemps qu'il est parti. Ah, dommage, merde. Oui, j'en ai plus de celle-là. Bon, tant pis. Voilà, désolé. Bon, il y a des jolies. Je pense pas qu'il y en ait. J'en ai pas une ou deux là, mais non. La traction, ouais. Mais celle avec les bombes, là. Ouais. Et... Il y a de quoi faire, hein? Ah, il y a jusqu'au bout là. Vous vendez toute la collection, quoi. Oh, c'est pas moi, hein. C'est des lots qu'on achète. Hein. D'accord. Bon, ok. Est-ce que vous avez des jeux vidéo ou des jouets anciens par hasard? Non. Non? D'accord. Des jeux vidéo, non. Et jouets anciens non plus. Bon, d'accord. Ok, ok. Merci bien, monsieur. Mais pas de problème. On avait dit non, ils veulent pas. Les deux, mais j'avais les cartes, hein. Excusez-moi. Mais je crois qu'il nous avait dit non. Mais le monsieur. Moi, je demande. Bonjour, c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Oui. D'accord, merci bien. Bonjour, c'est une Ferrari en vide-grenier. Ça y allait vendu la télé. Bonjour. Bonjour. Vous le vendez combien de jeux de société? Deux. Vous savez s'ils sont complets ou pas? Oui, ça c'est complet. C'est complet. Tout ça c'est complet. Après, il y a des trucs, mais il y a des trucs qui sont incomplets, mais on les donne. D'accord. Un carton. Ok. Un jeu de société, c'est tout ce que je veux avoir. Après, d'accord. C'est plus au niveau des figurines, je pense que vous allez peut-être pouvoir. Ouais, je regarderai. Ouais. Voilà. Ça marche. Non, je vais me dire quelque chose. Peut-être pas des vidéos. C'est tout à fait. Ghost Rider. Cosplayer. Cosplayer. Ouais, Jean Charles. Je mets des petits mots de temps en temps. Ah mais c'est toi Jean-Charles, ouais. D'accord, bon, ouais, on se voit, on a c'est clair. L'occasion de se croiser. Bon, tu trouves des VHS, hein? Oh, bah, c'est Pokémon. Du coup, ouais, j'aime ouais. Bien, ouais. Ouais, j'ai un vieux magnétoscope. Eh, vous voyez, tout le monde, je suis gentil, hein. Ouais, dis bonjour, hein, pour ça faire, hein. On est mort, il n'y a pas de soucis. Mais c'est dommage, il n'y en a pas plus. Ouais. Elle n'est pas faire plus d'affaires. Ouais, alors, elle ne pas de faire beaucoup dans le personnel de l'amitié. Et si vous aimez les jouets anciens comme ça, à tournefeuille. La bourse aux jouets anciens avec des Dinky Toys. Allez, salut à tous, c'est Ghostplayer. On se retrouve pour le débrief de ce vide-grenier live. J'ai trouvé du jeu vidéo, je suis super content. Franchement, il y avait de. Ouais, j'ai pris quelques pièces sympas pour ma collection, mais il y a surtout vraiment un accessoire que je voulais depuis un moment, que j'ai trouvé à tout petit prix. Et ensuite, sur le stand de l'ami Cédric, voilà,
Cédric qui vend du jeu vidéo dans ma région, qui fait souvent les vide-greniers. Voilà, j'ai trouvé deux pièces, franchement, qui vont aller avec cet accessoire. Je suis vraiment très très content de les rentrer. Gros coucou à toi Cédric, si tu regardes ma vidéo, c'est toujours un plaisir de te croiser en vide-grenier. Allez, c'est parti, je me suis trouvé pour, alors je ne sais plus, c'était 4 ou 5 euros, une dictée magique. Voilà, Texas Instruments. Donc ça c'est pareil, ça c'est une pièce que je voulais pour la collection, pour ma collection de jouets vintage. Voilà, moi, mon but c'est de me faire une jolie vitrine. Donc Texas Instruments, la dictée magique, je pense que tout le monde la connaît. Tous les enfants des années 80 en France la connaissent. Tout le monde ne l'a pas eu, mais vraiment ça c'est quelque chose, je pense que c'est un objet qui parle à beaucoup de monde. Voilà, et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y avait la notice de la dictée magique. Voilà, Texas Instruments. Et ça, je vous avouerai que c'est, pour les collectionneurs, c'est une pièce maintenant assez rare, la notice. Et quand j'ai demandé à la dame si elle n'avait pas la boîte, elle m'a dit, écoutez, si la boîte, on l'avait, mais on l'a sortie de la cave, elle était toute gondolée par l'humidité, et voilà, elle était un petit peu déchirée, donc en fait, on l'a jetée, mais on vous inquiétez pas, on a gardé la notice, vous avez la notice, je dis, ah bon, mais je dis, c'est dommage, même la boîte abîmée, je l'aurais prise, mais bon, voilà, malheureusement, ils ont jeté la boîte juste avant de faire le vide-grenier, mais j'ai quand même pu récupérer la notice de cette dictée magique. Franchement, ça c'est vraiment une jolie pièce, je trouve, la dictée magique, et en plus d'avoir la petite notice avec, c'est vraiment un plus. Alors ensuite, ouais, je me suis trouvé des verres Amoura à moutarde, ils étaient à 50 centimes pièce, bon j'ai payé 2 euros, et alors je les ai pris, c'est vraiment pour la nostalgie ces pièces, alors je pense que les enfants des années 80-90 le reconnaîtront. Il s'agit de Carlos, voilà, le regretté Carlos, paix à son âme, disparu aujourd'hui. Voilà, ils avaient fait, alors ça je crois que ça date de 89 ou de 90. Je crois qu'il y avait un petit dessin animé Carlos qui était sorti, et ils avaient fait des verres Amoura. Alors je les ai pris parce qu'ils sont vraiment en super état, on dirait qu'ils sont comme neufs. J'ai même dit à la vendeuse, j'ai dit franchement, pour des verres d'époque des années fin 80, début 90, j'ai dit, ils sont super propres vos verres. Et la dame m'a dit, oui, ils étaient chez ma mère et ils n'ont pas beaucoup servi. Ils sont restés très très longtemps dans un placard. Mais franchement, ça se voit. Il y avait quelques traces de doigts, je les ai bien nettoyés. Ils sont vraiment maintenant comme neufs. Vraiment comme neufs. On n'a pas de pète sur les illustrations. Voilà, donc ça, des petits verres Carlos avec différents... différents motifs. Donc pour 2 balles, franchement, écoutez, moi ça me rappelle ma jeunesse. Je me souviens encore de la pub Carlos pour une boisson à l'orange. Voilà, du coup, bon, 2 euros pour les deux petits verres Carlos. Ça, c'est vraiment pour la nostalgie. Alors ensuite, on va attaquer directement. Ah oui, donc j'ai quelque chose à vous présenter aussi. J'ai trouvé sur un stand des cartes Pokémon. Voilà, donc ça, je voulais filmer. Il y a pas mal de cartes Pokémon. Alors, donc sur un stand, j'ai pris aussi... donc j'ai pris un petit lot de 4 cartes Pokémon. Et sur un autre stand, bon, j'ai trouvé ça pour ma fille. Un petit paquet, 2 euros. Alors franchement, j'ai même pas regardé. J'ai vu que la première carte était brillante. Et après, non, bah après, les autres, c'est des cartes communes, je pense. Alors, franchement, je ne sais même pas si j'ai fait une affaire là. Je n'ai pas négocié le prix, 2 euros, ça m'a paru pas très très cher. Je ne sais pas combien il y a de cartes, il n'y en a pas énormément non plus. Mais en fait, je regarde, les cartes, elles sont pas en super bon état. Bon, écoutez, je ne sais pas, moi, j'y connais rien, Pokémon. J'ai vu ce petit lot, 2 euros, bon, j'ai pris ça. Mais par contre, sur un autre stand, il y avait une dame qui vendait beaucoup, beaucoup de cartes. Et franchement, je peux vous dire que le stand, il a été un petit peu pris d'assaut. Mais moi, j'ai trouvé vraiment super joli. Donc, j'ai payé ça 4 euros. Ouais, c'était 1 euro la carte. Après, il y avait des cartes. Les cartes allaient de 1 euro à 3 euros. Et à côté de moi, en fait, il y a une personne qui a ouvert le classeur. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû ouvrir ce classeur en premier. C'est vrai que je l'ai laissé, même si j'étais arrivé en premier sur le stand. Il y avait des jolies cartes VMAX. Alors, je sais plus quoi. C'est des cartes VMAX. G-Max, enfin je sais plus exactement le terme exact, mais on avait des très jolies cartes Pikachu, et d'ailleurs je l'ai filmé ça. La personne a dit, combien si je vous prends les cartes, les 4 cartes? La dame a hésité un petit peu, oh, je sais pas, bon allez, 5 euros.
Et franchement, apparemment, c'était des cartes relativement rares parce que quand je suis parti, le mec m'a montré les quatre cartes. Il m'a dit, putain, il y a 5 euros. Il m'a dit, j'ai fait l'affaire du siècle. Là, je suis super content. Bon, voilà. Je sais pas si vous l'apercevrez si vous l'avez aperçu dans le live. Vous le regarderez si vous voulez, si vous aimez les cartes Pokémon. Mais bon, le type, apparemment, a fait une super affaire. Moi, je sais pas si j'ai fait une affaire ou pas. Je sais pas si c'est officiel ou pas, surtout. Donc, je fais vraiment appel à des gens comme Gégère. Des gens qui aiment vraiment les cartes Pokémon, qui s'y connaissent en cartes Pokémon. Moi, j'ai craqué pour des cartes, écoutez, en métal. J'avais jamais vu ça. Oui, des cartes en métal. Voilà, regardez ça. Elles sont vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Alors, est-ce que c'est officiel? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut rien? Est-ce que c'est vraiment du AliExpress à 1 euro? Moi, j'ai payé ça 1 euro unité. J'en ai pris 4. Elle m'a fait 4 euros les 4. Voilà. Mais les cartes sont franchement hyper lourdes. Donc, elles sont protégées par des sleeves, mais elles sont vraiment. C'est vraiment des cartes entièrement en métal. Elles sont super lourdes. Elles sont pas très épaisses, mais elles sont hyper lourdes. Elles sont, regardez ça. Moi, je les trouve vraiment très très jolies. Vraiment dorées. On dirait vraiment presque qu'elles sont dorées à leur fin. Elles sont. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que c'est officiel déjà? Alors, elles sont en français. Tout est écrit en français dessus. Florizarre, 100 PV. Niveau 9, on a un petit évolution. Évolution d'air bizarre. Niveau 2, pas niveau 9. Mais vraiment, je les ai trouvées magnifiques ces cartes. Donc dites-le moi si c'est officiel, si c'est pas officiel. Si à 4 euros j'ai fait une affaire ou si c'est absolument pas une affaire. Peut-être que ça coûte 10 balles les 50, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Donc on avait un Florizarre. On avait un Tortank. J'ai trouvé un Mewtwo. Et on a un Mew. Voilà, c'est 4 cartes Pokémon en métal. Mais je les trouve vraiment très très jolies. Vraiment, en métal comme ça. Moi, je les trouve magnifiques. J'ai vraiment craqué pour ces cartes Pokémon. Franchement, je ne les connaissais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Je n'ai pas regardé encore... Là, je vous fais un petit peu le débrief à chaud. J'ai pas encore regardé le sur internet un petit peu si c'était officiel ou pas. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai trouvé super sympa ces cartes métal Pokémon. Alors, ensuite, sur un stand, je suis très content. Je rentre un Pokémon épée sur Switch pour 15 euros. Voilà, donc moi, le seul Pokémon que j'ai sur Nintendo Switch, c'est le Pokémon le Pikachu. C'est le Let's Go Pikachu, je crois qu'il s'appelait. Ouais, c'est le Pokémon Let's Go avec le Pika dessus. Donc là, un Pokémon épée pour 15 euros. Franchement, c'est un super loot. Très content de le rentrer, franchement, à ce prix. Je l'avais vu à 25 euros en vide-grenier permanent. Déjà, ça valait le coup. Mais là, franchement, 15 balles. Là, j'ai pas hésité. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut un petit peu attendre. Et on peut tomber sur des lots sympas. Pour 2 euros, je me suis pris le Halo 5 sur Xbox One. D'ailleurs, c'est le seul jeu Xbox One que j'ai trouvé. C'est ce que je cherche un petit peu en ce moment, du jeu Xbox One. Je me suis trouvé, alors ça, je pense que ça vient d'un collector, un artbook du Mario Maker. Je me demande si ça vient pas du coffret du Super Mario Maker sur Nintendo Wii U. Je crois qu'on avait un coffret avec la boîte jaune, un fourreau, le fourreau bleu turquoise et cet artbook. Alors moi, j'ai le Mario Maker sur 3DS. Je l'ai pas sur Wii U, mais bon, franchement, écoutez... La dame m'a fait 50 centimes l'artbook. Franchement, il y a des jolis designs dedans. J'ai trouvé ça sympa. Donc franchement, pour 50 centimes, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Le petit artbook de Mario Maker. Ensuite, je me suis trouvé du jeu à 2 euros sur PS3. Donc à 2 euros, j'ai pris 4 jeux. Voilà, je me suis pris le UFC 3 Undisputed. Alors moi, j'ai l'UFC 2009 et l'UFC 2010 Undisputed, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un UFC. Voilà, de chez THQ. Donc moi, j'aime bien les jeux UFC, ils sont sympas à tester. Donc franchement, écoutez, pour 2 euros. Le Mirror Age, grand classique. Ça, c'est un jeu, bien entendu, que j'avais sur Xbox 360. Mais une fois que je l'avais fait, je l'avais revendu à l'époque chez Micromania.
Voilà, je l'avais fait reprendre à Micromania pour prendre d'autres jeux. Donc après, je l'ai sur PC aussi, ce jeu. Et là, voilà, je voulais me le reprendre en physique sur PS3. Donc pour 2 balles, il était complet aussi. Hein. Voilà, tout ça, ils sont tous complets. J'ai pris ça. Je me suis pris le petit Genji. Voilà, un des premiers jeux de la PS3 d'ailleurs. Et pour finir, le Crysis 2, Crytek. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut sur PS3. Je l'ai pris pour la collection. Ça, c'est un jeu, bien entendu, que j'avais fait à l'époque sur PC. Et à l'époque, je peux vous dire que pour jouer à ce genre de jeu, il fallait une machine de guerre sur son PC. Il fallait vraiment une carte graphique qui fasse tourner le jeu avec un bon pros. Là, écoutez, je le chope en physique pour 2 balles. Le Crysis 2. Bon, je pense que ça ne vaut vraiment pas la version PC niveau graphisme. Même au niveau fluidité, on verra. À tester, mais bon. Pour la collection, je le suis pris en version physique, ce Crysis 2. Et après, tout le reste, c'est des jeux... Ah oui, alors j'ai trouvé un petit jeu sur un stand. Mais c'était sur le stand des cartes, du petit paquet de cartes Pokémon qui est ici à 2 euros. Voilà, la dame l'a fait à 2 euros aussi. C'est un petit Lego Avenger Marvel sur 3DS. Juste la petite cartouche en loose. J'ai demandé à la dame si elle n'avait pas la boîte. Elle a dit ah, non, non, malheureusement, les enfants l'ont égaré. Voilà, bon, 2 euros, le petit Lego Avenger en loose. J'aime bien les jeux Lego. Je crois que j'ai un seul jeu, j'adore un ou deux jeux 3DS Lego, donc bon, un petit Marvel, c'est sympa. Et ensuite, je me suis pris des jeux, alors ça, c'est des jeux que j'ai payé 1 euro sur un stand. C'est du jeu PS2, bon, c'est du classique. Hein. Il n'y a vraiment rien de fou. Le petit Sean Palmer Pro Snowboarding, je peux vous dire que ce jeu-là, je l'ai rincé à l'époque. Moi, j'adore le snow. Bon, moi, à la base, je suis skieur, mais j'adore les jeux de... Les jeux de snowboard, de ski, et ça, le Sean Palmer, celui-là, franchement, Activision O2, je l'ai saigné celui-là à l'époque. Je l'avais acheté day one, parce que moi, j'adore les jeux de sport extrême, tout ce qui est snowboard, tout ce qui est skateboard, enfin, tout ça, j'adore. Là, franchement, tout ce qui est BMX aussi. Le Sean Palmer, vraiment, je peux vous dire que celui-là, je le connais par cœur, ce jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte. Je pense que, franchement, je vais rebrancher ma PS2 et je vais tester ce jeu. Après le compte-rendu, parce que franchement, j'ai vraiment envie d'y rejouer. Bon, je pense qu'il a dû un petit peu vieillir, mais bon. Sean Palmer, c'était vraiment mon jeu de snow préféré à l'époque. Après, il y a eu les SSX, bien sûr. Mais ça, c'était vraiment un jeu que j'adorais. Donc, je crois que je l'avais filmé sur le stand Ace Combat Distance Thunder sur PS2. Donc, 1 euro à chaque jeu. Ils sont complets avec leurs notices. Le Spider-Man version Platinum. Voilà, j'ai le 2, mais j'avais pas le premier de chaque division. Donc pour 1 euro, je l'ai pris. Bon, la cover est un petit peu abîmée dessus même. Mais bon, pour 1 euro, écoutez, ça complète la collection. L'appareil, 1 euro, le Metal Gear Solid 2. Voilà, c'est vrai que je l'ai sur Xbox, mais je l'avais pas sur PS2. Et là, c'est la petite version avec le CD, le Son of Liberty, le Making of en bonus. Alors, la notice, elle est un petit peu froissée. Par contre, ouais, la notice est un petit peu froissée. Mais bon, écoutez, on a quand même le CD bonus. Donc, ça, c'est pas mal. Et un petit 50 Cent Bulletproof de chez Sierra. Jamais testé celui-là. Bon, je l'ai vu à l'époque à tourner. Il y en avait plein les bacs d'occasion à l'époque, je me souviens de celui-là. Donc, je crois que c'est un petit TPS Action. Avec 50 Cent en guest. Donc pourquoi pas, à tester. Franchement, il rentre dans la collection, celui-là. Je ne l'avais jamais fait à l'époque. Ça sera l'occasion de le tester. Et ensuite, pour terminer, voilà, donc ça vous l'avez vu, il y avait une personne qui vendait dans un sac une GameCube vraiment dégueulasse. Il y avait des manettes Xbox 360, PS4 et PS2 cassées avec des boutons manquants. Il y avait une GameCube grise. Avec un FIFA à l'intérieur en loose. Et vous avez vu aussi, il y avait un Guncon 2 pour PS2. Et donc à la base, donc du coup d'ailleurs, je fais un coucou à l'ami Jean-Charles que j'ai rencontré sur le vide-grenier. Voilà, du coup avec Jean-Charles, on a un petit peu regardé le lot. Je lui ai dit si ça l'intéressait. Il m'a dit ouais, il faut voir le prix. On a demandé le prix. La personne à la base, je crois, en voulait 40 ou 50 euros, je ne sais plus. Non, je crois qu'à la base, elle en voulait 50 euros. Après, elle a dit je vous le fais à 40. Bon, après, franchement, on s'est regardé, on a dit bon, non, ça vaut pas le coup. Là, moi, j'ai un petit peu hésité, mais la GameCube était vraiment très, très, très sale. Voilà, donc du coup, on l'a pas pris. Ensuite, moi, je suis allé voir l'ami Cédric sur son stand. Et du coup, on a discuté un petit peu. Je lui ai parlé comme quoi il y avait une poche avec une GameCube et des manettes
Et un Guncon, il m'a dit, ouais, franchement, il dit le Guncon, vas-y, franchement, n'hésite pas à aller le négocier, à aller le voir s'il te le vend à part du lot. Bon, je dis, ouais, pourquoi pas. Il m'a dit, franchement, si tu peux le choper à 5 euros, c'est un super loot. Donc, j'y suis allé. Et du coup, la personne m'a dit, j'ai demandé, je dis, franchement, écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est le pistolet pour la PlayStation 2. Est-ce que vous pouvez me le vendre à part? Bon, le mec, je pense, apparemment, il ne savait même pas ce que c'était. C'était sur PlayStation 2, PlayStation 1, il m'a dit. Il dit, bon, ben oui, ah, vous revenez à la charge. Et il dit, bon, non, écoutez, je vous fais le lot 25 euros. Donc le mec, il voulait me vendre la poche complète avec la GameCube. Bon, après, franchement, la GameCube était vraiment très, très, pas mauvais état, mais bon, elle était super, super sale. Bon, j'ai fait quelques images et vous l'avez vu dans le live. Elle était vraiment très, très sale, je me suis dit. Là, il y avait même des traces de gras sur la lentille. Il y avait une tache qui allait sur la plaque au niveau de la lentille et même qui débordait sur la lentille. Donc vraiment, ça m'a fait. Quand j'ai enlevé le CD, le FIFA, j'ai vu ça, j'ai fait, bon, non. Ça vaut pas le coup. J'y ai sorti ça et du coup il m'a dit 4 euros. Voilà. Donc du coup le Guncon 2 pour 4 balles. Je suis super content de le rentrer. Je l'ai bien nettoyé. On va tester tout ça. Mais ça franchement c'est une belle pièce pour la collection. Et c'est quelque chose que je voulais depuis un moment, le Guncon 2. Et cerise sur le gâteau, du coup je suis allé voir l'ami Cédric sur son stand. J'ai un petit peu fouillé. Et j'ai trouvé deux jeux compatibles Guncon 2 de chez Namco et Capcom. Voilà. Donc il y avait le Crisis Zone. Crisis Zone, voilà. Mais d'ailleurs, je crois que c'était le jeu qui était vendu avec le Guncon. Parce que vous voyez, on est marqué ne peut être vendu séparément. Donc ça, c'était le bundle, je crois, avec le Guncon. Et ensuite, il y avait sur son stand le Dino Stalker de chez Capcom. Voilà, en bon état aussi et complet. Donc écoutez, alors je sais plus, je crois qu'il vendait le Crisis Zone, je sais plus combien il vendait, je crois qu'il est. Je crois même s'il vendait pas les deux 15 euros, un truc comme ça. Enfin, 15 euros chaque. Voilà, bon, moi écoutez, il m'a fait un prix, j'ai payé 20 euros les deux jeux. Franchement, franchement, je trouve que c'est un bon loot. Hein. Voilà, c'est pas l'affaire du siècle non plus. Mais le Crisis Zone et le Dino Stalker, on ne les trouve pas partout. Et c'était vraiment l'occasion, voilà. Bon, je me suis fait plaisir. J'ai aussi, voilà, j'ai pris deux jeux aussi, trois jeux même à Cédric. Voilà, il y avait le petit Guncon. J'ai trouvé le Guncon sur le stand à 4 balles. Et cerise sur le gâteau, je trouve deux jeux compatibles Guncon en vide-grenier. Comme ça, je peux directement me tester tout ça. Je ferai peut-être un crash test d'ailleurs de tout ça. Et ensuite, Cédric me sort de sous les fagots un petit jeu Game Boy Advance 9 sous blister. Voilà, le petit Top Spin 2, il me dit, j'ai ça, juste 9, voilà, pour s'en débarrasser, il me dit 5 balles. Bon, j'ai fait aller 5 balles, je le prends. Top Spin, c'est vraiment des super jeux. Même sur GBA, c'est vraiment un bon jeu. Il est tout neuf sous blister, comme vous pouvez le voir, voilà. On a même l'ancienne étiquette 44,99 €. Donc, je me suis fait plaisir, hein, un petit Top Spin. Bon, pour 5 balles, franchement, pour la collection, un petit jeu sous blister Game Boy Advance, franchement, ça mange pas de pain. Voilà, du coup, les amis, pour ce compte rendu vide-grenier live, je fais un coucou aux 4 abonnés que j'ai croisés dans ce vide-grenier. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais déjà une ou deux fois, il y a des personnes qui m'ont reconnu à la voix. Mais là, écoutez, j'ai 4 personnes qui m'ont interpellé. D'ailleurs, dans le live, il y en a deux, j'ai filmé deux personnes, j'étais sur un stand. Et en parlant, il y a une personne qui m'a dit, ah, mais me dit, je vous connais, vous. Vous faites des vidéos sur YouTube? J'ai fait oui, c'est ça. Il me dit, ah ouais, des vide-greniers, je regarde vos vidéos, sympa. Ok, première personne. Deuxième personne, pareil, qui m'entend parler, qui me dit, ah oui, je vous ai reconnu à la voix, vous faites des vidéos vide-greniers sur YouTube, oui, c'est ça. Et ensuite, une autre personne, pareil, Ghostplayer, tu fais des vidéos sur YouTube, je t'ai reconnu à la voix, donc super sympa. Coucou à vous quatre, et bien entendu, Jean-Charles, pareil, qui m'a reconnu, qui me laissait de temps en temps des commentaires sur la chaîne. Très gentil, je savais même pas qu'il était de ma région. Et voilà, il m'a dit, ah, je te reconnais, Ghost Rider. Je fais, ouais, Ghost Player. Il me fait, ah oui, c'est ça, Ghost Player. Il me dit, je te mets des petits commentaires sur ta chaîne. Et en fait, vous voyez, de fil en aiguille, j'ai discuté avec Jean-Charles. Et au final, on a fait tout le reste du vide-grenier, on l'a fait ensemble. On s'est baladé, on a discuté. Lui, il a trouvé un joli lot Playmobil. Voilà, donc dédicace à toi, Jean-Charles. J'espère qu'on se recroisera. C'était vraiment très sympa notre sortie. Vous voyez, des fois, on fait des jolies rencontres comme ça. Je rencontre des gens qui sont abonnés à la chaîne. On a un petit peu discuté. En fait, de fil en aiguille, au final, on a fait plus de la moitié du vide-grenier ensemble. Voilà. Donc, c'était très sympa. Les amis, c'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.